Salut à toutes et à tous, c'est Conseil de Tlem et... C'est pour Adam Chichi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Super Smash Bros. For Nintendo 3DS. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire le personnage Palutena. Eh oui. Et de Kid Icarus. Donc je prends la normale. C'est pas la normale, ça, je crois. Moi, je prends la violette. Comme plein d'autres personnages. Ah mince, il faut que je remette les règles en vie 2. Voilà. Alors on prend le décor. On va prendre le décor. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décor? Dreamland. En normal. Dreamland, ouais. En normal. C'est parti, c'est à toi de poser la question aujourd'hui. Oui, alors j'attends que le combat commence. Oui. Bien sûr. Voilà. Bon, alors... 'est vu parce qu'on est déjà à la moitié du combat. Ma question, c'est pourquoi est-ce que dans le jeu, il y a plus de Palutena, Kid Icarus. Ils ont besoin de Palutena. Pourquoi ils n'ont pas tout simplement utilisé comme dans par exemple Mario, Eugène dans comme un public comme par exemple dans l'histoire de la carte, comme par exemple dans l'histoire de la carrière. Un tutoriel. Oui, voilà. Alors, en fait, c'est pourquoi en fait il n'y a pas Palutena en fait. Voilà, c'est ça. Moi, je. C'est pas trop une réponse, hein. Voilà. Mais c'est pas grave, j'accepte quand même. Ouais. Alors, moi, je dis. On a besoin de Palutena parce qu'en fait c'est un peu la gardienne des cieux en fait, moi je dis. Bon, pourquoi il y a Palutena? Bah moi je dis parce que en fait c'est la gardienne des cieux un peu. Bon bah voilà, fini. Et j'ai pas perdu pour celui. C'est cool. Très bien. Bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Si vous avez pas, je vais me dire aussi si vous avez aimé la vidéo. Aussi, n'hésitez pas à répondre à la question du jour. Et à la prochaine. Salut. Salut.